Heureux. Donc on va commencer avec les chroniques d'âme des différents personnages. Moi qui disais que le mode était plutôt court, finalement si on doit faire pour tous les persos, ça va le faire. Après j'espère que la longueur a priori est déjà donnée. Par exemple Gro, il a l'air d'avoir que 2 points, Sangmina pareil. Il y en a que ça risque d'être un peu plus long. Et du coup, on va commencer avec Geralt. Geralt de Rive. Allez, j'enlève ma tête. Pas de repos pour le sorce, lol. Pas blabla. Pas blabla. Aïe aïe aïe, désolé hein, pour le. Du coup, pour la courte vidéo de la dernière fois. Witchers are known as warriors with unusual powers, the slayers of monsters and fiends, and eliminators of other forms of devilry. One day, the elite witcher Geralt took on another contract, his task to subdue a sorceress. The now aged woman, though ever strange, had been greatly respected, yet in recent years, rumors had spread that she was dabbling in the dark arts. She had achieved prominence as a researcher of planes, but if she were to call forth a demon from another dimension, it could have grave consequences. Accordingly, she was a threat to be assessed and, if found guilty of iniquity, a threat to be contained. In search of the truth and prepared to mete out punishment as necessary, Geralt made his way to the ruins of a citadel standing amidst marshlands. Okay. So, that's why I'm here. To check if these suspicions, accusations even, are true. See these demons you've summoned, and if you have, to stop you, punish you. That's the contract. Tell me, Witcher, do you know what I've studied all these years? The magic, the skill? Planes, passages between them. Heard you're an expert. Pretty tricky for someone working on their own, gotta admit. And you, do you also label me a heretic? No. Don't get me wrong. Got no reason to suspect you of anything, yet. Just wanna talk. My greatest wish was to access a different plane. Right. Got that much, I think. But that is not to say I ever wish to commune with, let alone summon demons and spirits from other worlds. Through rifts into other dimensions, I explored the possibilities, sought another plane. I was but a fisherman casting a line. And then it happened. What happened? A response. A strong one from something powerful in a Oh là place là, c'est facile de se altogether servir du elsewhere. multivers de The Witcher quand Bold même. you are, Witcher, even to venture here. If you wish to see if my studies Mais allez, deal elle with va me demons, balancer dans le multivers. why? C'est pas comme si j'y étais déjà passé. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit la vraie voix de Geralt. Après, vous pouvez me contredire, mais j'ai pas l'impression. Head's pounding. What's some sort of passageway between planes? What's at its end? Another dimension? Whatever it is, sure doesn't sound pleasant. Don't try. Allez, on va botter le cul à ce mec avec un haut d'armure romaine, j'ai l'impression. D'ailleurs, j'ai fait mon perso, il a une allure de romain avec avec le style de combat de Geralt. Oh, ils l'ont mis avec le style de. Oh non, ils ont bloqué le ring out. Non, je l'ai pété là. Ça a été tellement vite, putain. Et j'ai pas utilisé de Hard ni de Ignir, allez. Même pas de Quen. Damn it. No ordinary beast that. Good to know my silver sword medallion won't be much use. Got too much to sense here, huh?
sorceleur et la magicienne. La magicienne avait du vrai, elle avait bel et bien détecté l'énergie de la graine du mal libérée par Soleil. Gérald se retrouva à emprunter un passage entre deux mondes, au bout duquel il posa le pied sur une terre qui lui était inconnue. Bien qu'il n'ait pas vraiment reçu un accueil chaleureux, il réussit à s'échapper vers un endroit étrangement familier et pourtant différent du Kaer Morhen qu'il connaissait. Other plans exist. How about that? Kaer Morhen sure brings back memories. No way this is real though. Some sort of magic. Gotta be. Exactly like I remember. You appear to be from a foreign land, or am I mistaken? Something strange about you. Let me guess. Sorcerer? Some may call me that. However, I have mastered the use of weapons. Avec sa grande foule. Place seems full of people just looking for trouble. Dixit, le boucher de Blaviken, putain. Igni. Ah putain, le Yerdon. Ça va tellement vite, putain. Oh, il y a eu un hard qui a été classé. Je sais plus comment on fait. Non, pas le ring out. Non. Ah, la musique de The Witcher. Va que je me remette la musique de The Witcher sur mon tag. Interesting. Now I see what... Si vous allez sur ma chaîne Metal, vous verrez au Kuro Kala sous Metal. Vous allez dans Ragnarok 2016, il y a Percival qui fait deux musiques de The Witcher. 3. Someone sent me here. I'll be sure to tell her how you feel. Long as I actually make it back to my own world, forgive my discourtesy. Ok, le mec il m'agresse et il repart comme ça, au calme. Every which way you turn here, you get a skilled warrior, including that last one. But get in some good practice. No, got things to tend. Au calme quoi, putain. Zalazael, il m'agresse et il repart là, boutoutout. Poursuite obstinée, Geralt ne se sentait pas à l'aise dans cette nouvelle dimension. La magie était rare, personne n'était attaqué par des monstres, et il n'avait croisé encore aucun autre sorceleur. Enfin, putain, mais même dans son monde, il n'y en a pas tant que ça des sorceleurs. Puis à la fin du 3, strange as all hell this place. They seem to believe in magic, but refuse to practice it. Should have enlisted that guy's help. Preparing potions will be a pain. Oh, le médaillon qui s'agite. Encore un infecté. Bon, on va lui régler son compte. Après tout, je suis de signe Gémeaux, et du coup, je peux l'envoyer dans une autre dimension. Voilà, si vous avez la référence, c'est que vous êtes des vrais. Ou des vieux, à vous de voir. Yeah.
Ah oh, putain merde. Oh, il y a un coin. Coin explosif. Ah putain. Je vais essayer de vous montrer quand même un de ces quatre le finish de Geralt. Ah putain. Voilà. Un petit Axi, un petit Igni et fini. C'est beau. J'y étais presque. Teleported all this way, and I'm still killing monsters. No rest for a witcher. Won't do me any good though, hunting beasts out here. Just not supposed to be here. Plain and gotta get back to my own world. Ouais, ouais, ouais. Une fissure astrale. Les pensées de Geralt étaient-elles occupées par Yennefer et Ciri? Qui sait? Toujours est-il qu'il décida de chercher activement un moyen de rentrer dans son monde pour les retrouver. Ses recherches le menèrent au point de convergence de différentes puissances, provoquant l'apparition sporadique d'un portail connu sous le nom de fissure astrale. En ce monde, ce portail était probablement le moyen le plus rapide de rentrer chez lui. Mais en vérité, nous savons tous que c'est pour Trish Merigold. Marshes, mountain-bound veils. Source of the power could actually be in another. Speculation of that sort's best left to mages, though. Gates appear where enough of the power accumulates. But whenever I get too close. Another monster? That happens. Sorry, not of this world. Don't know your customs. So have a taste of my own. Allez. Moi je pense qu'il a le style d'Astaroth, vu que c'est un berserk. Il y a moyen, et puis à mon avis il est vêtu comme un Viking. Ah putain, même pas. Je me suis planté. Ce qui est bien avec Geralt, c'est qu'il est ultra rapide. Ah putain. Ah putain. Et il s'envole. Non, non, le ringer dégueulasse, putain. Ah putain. Dégage, voilà. Ça c'est pour le ring out. Oh. Yeah.
le hard, tout est plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'on finit son adversaire. La vache, putain. Damn it. Every time I approach, gate spawns more of those creatures. Need to keep it open somehow. Should probably find someone skilled well. Aïe aïe aïe. Histoire de Geralt coincé. Croiser le fer avec l'épée sacrée. Bien que les rumeurs parlant de magie semblaient pointer vers ce qui, en ce monde, correspond à l'ouest, l'instinct de Geralt lui indiquait que les mages de ce monde se trouvaient plutôt à l'est. Choisissant de suivre son instinct, il finit par arriver dans une grotte sous l'Himalaya. Mauvaise idée, un maître épéiste qui, selon la rumeur, le vieil épéiste vivait ici depuis des générations en sort. Nous parlons donc du Soul Master, je suppose, hein, celui qui a enseigné à Kilik. What is it you seek? The Ledge Master, pardon. You must be that old man I've heard about. Got a favor to ask of you. Is that a friend of yours? Oh putain. No. Encore lui. In case you didn't notice, we don't exactly get along. Freaks around here really seem to be yada yada. Show you how a witcher does things. Aïe 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 aïe, putain, mais on va jamais le buter celui-là. Geralt, un sorceleur au rabais, putain. Hein. Sans déconner. Oh putain. Oh la vache, putain, mais... Tu croyais quand même pas que j'allais te laisser faire un perfect enculé. Voilà. Ça, c'est de la merde comme combat. Mais je m'en bats les couilles. Y'a aucun skill dans ce que j'ai montré juste avant, donc je m'en bats les noix. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là, putain. Alors, je peux pas la perdre. Voilà. Pas de skill non plus. Bah les couilles. Ah là là, putain, zéro skill, quoi. Merde. Bref, voilà, quand je suis arrivé ici, il y avait pas un grand portail qui mène vers d'autres mondes par ici. Donc tu as dû le voir, le portail mène au chaos astral qui s'ouvre sans prévenir. The gate, but to open a gate to another realm, you would need to utilize the power of the Soul One. Simply opening the gate, you need a signpost. It needs to have a phantasmal Kaer Morhen. If you open the gate, that all sounds good. Except, well, I'm a I believe I can trust. One learns a thing or two after years of brutal training. Thanks for the help, old man. You should know there is no room for error, and you may. I know not whether I should encourage. It's worth a try, far as I'm concerned. Very well. I shall teach you a secret ritual for eliciting the power of the spirit sword, Soul Calibur. Soul Calibur. C'est vrai que c'était l'autre monde. Un affrontement inévitable. Geralt retourna à Kaer Morhen de ce monde, bien décidé à ouvrir un portail car à ce pouvoir de Soul Calibur, afin de retourner dans sa dimension. Cependant, un étrange visiteur sortit du portail à son ouverture et Geralt se sentit étrangement connecté à celui-ci.
Est-ce que ce serait pas un Geralt? Ah non. We finally meet, Geralt. Like a dog after a bone. Not interested in fighting you, plain as that. You cannot escape me. We settle this now. Fine. Your funeral then. Don't. Mon cœur balance entre mes deux personnages actuels préférés. Oh. J'aime pas faire ça, combattre contre mon perso préféré. Ah. Putain, mais son putain de bateau. Putain, mais je connais les sets de Mitsurugi, mais ça, je vais me prendre une branlée quand même. Non! Putain, j'ai pris tellement cher! Je la fais celle-ci. Ah. Tiens, je sais pas comment j'ai fait ça par contre. Oui, putain, je... Oh putain. Eh, c'est pas censé le ramener au centre? Ouais, allez, on y croit. Filez-moi votre énergie. On commence. Putain, non! C'est dégueulasse, putain! Ah, j'ai joué avec le feu, putain! Ah, putain, mais ça... What?
Ah putain, celle-là je l'avais pas. Faut que je me reprenne, hein, putain, hein, parce que là. Ah putain, mais merde, ces chopes qui tiennent. Touche pas. Oui. Problème de frontière, succès déverrouillé. Putain, mais vas-y, j'ai beau rouler sur le côté. Genre, c'est sa chope qui est passée sur la mienne. Ah putain, trop loin! Putain, j'étais trop loin, quoi. Bon, on arrête les conneries, là, ça va être le ring out. Voilà, j'en étais sûr. Putain. La rage est présente, le skill pas. Allez. Ah putain. Sans déconner, je vais me faire. Putain, mais sans déconner, je vais pas y arriver, hein. Non, mais putain, ce vol! Putain, c'est ça! On est plein le cul! Putain, et forcément, dans le vent! Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on vole une game. Allez. Je suis trop loin, putain. Non, c'est bon. Mais putain, mes chocs qui passent pas, putain. Je lance pas, putain, ça me... Putain, non, mais... Tant pis, la vidéo durera, ça fait 30 minutes, mais ça durera le temps que je batte Mitsumi.
J'ai pris la première. Une première ronde. Allez, go fight! C'est comme ça qu'on gagne, voilà, hein, c'est qui le patron maintenant, putain. La rage, quoi, toi, putain. Sorry, gate's about to open. Party ends now. What? But I was just getting into it. Had a worthy opponent in you, love to finish our fight, but, well. So, you are returning home? Very well. Come back anytime. So long, samurai. It's been... Oh, putain. Been one hell of a ride. But it's almost great. Now just need to get through. Let's do this. Sri Vasu Svaha. Mind keeping it down? Forgive me. My methods were a bit harsh. However, at least now you know I am innocent. How was the other world? Well, it... Then step over here and make your... Would you care for some fine wine? Warm welcome. Nice and all. Préférer une bonne petite... relation totalement platonique. Chut, on comprend pas ce que tu racontes. Est-ce qu'on n'a pas les sous-titres? Voilà. Un guerrier élu. Ok, donc voilà, on a fini le chronique d'âme de Geralt. Du coup, je vous propose de vous laisser là. De toute façon, moi, mon temps est terminé pour ma session d'aujourd'hui. Hein, j'ai fait une bonne grosse session. J'ai record pas mal d'épisodes, je crois 5 épisodes, dont celui qui est sorti aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien. On va pas forcer plus. On reviendra bien évidemment à Soul Calibur peut-être demain, enfin vous dans 2 jours, quoi que ce soit. Donc je pense que ce coup-ci je les ferai dans l'ordre. Je commencerai du coup par Mythologie et je commencerai à... Ou tiens non, j'ai commencé par Geralt, je vais finir par Mythologie. Donc la prochaine fois on se retrouve avec Zassalamel. Pour sa chronique d'âme, entre guillemets. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye, à la prochaine. Ciao, à plus.